les mers. Voilà les gladiateurs, devenus aviateurs, ils n'ont pas peur. Nous sommes dans les airs, des chutes spectaculaires, à des vitesses d'enfer, ils jouent avec nos nerfs. Ils vivent la terreur, comme tous les bons acteurs. Nos amis cascadeurs sont des vrais voltigeurs. Triple Z, triple Z. Voilà les gladiateurs, devenus escrimeurs, ils n'ont pas peur. C'était parfait, mais je crois qu'il vaudrait mieux la refaire encore une petite fois, pour avoir une sécurité. Sécurité, noble tribun? Oui, pour la caméra. Ronnie a loupé la prise de vue à la fin. Pas vrai, Ronnie? Allez, remontez dans votre avion, les enfants. Toi, Zanzibar, on t'en amène un autre. Et n'oublie pas que tu doubles Doug Douglas, donc de la classe sur l'air. Sois décontracté. Décontracté, noble tribun. On refait la même prise alors, Bob? Exactement, ma Zazie. Tu es un petit grand chef. N'oublie pas l'histoire, hein. Nous tournons les nouvelles aventures du Baron Rouge. Les débuts de l'aviation, vous êtes des as. Vous êtes éliminés, loyaux. Ça renifle l'Oscar, tout ça. Allez, courage, du nerf les enfants. De l'allure les triplettes. Et après, on va déjeuner. Par Jupiter, noble tribun, ça m'ouvre l'appétit. De 53 Écoutez, j'ai trouvé qu'il faudrait la refaire. Moi, sur l'aile, j'aurais eu plus de classe. Oh, non, triple Z, c'était excellent. Oh, je n'ai qu'un mot, bravo. Factum bene, factum bene, in veritas. Bah, qu'est-ce que c'est que ça encore, factum Marcus, toi, machin? Ah, ça signifie patricienne gauloise, bravo. Dis donc, Marco, tu pourrais pas dire bravo comme tout le monde, factum truc machin, je te demande un peu, non? Demain, les triple Z, on tourne le clou du film. Il faut préparer les explosifs. Vous voyez la grange là-bas? L'avion du Baron Rouge doit passer dans la grange. Alors, elle explose sur son passage, mais l'avion ressort indemne. Avec la fiancée du Baron, toi Zazie et son valet, toi Zéro, accroché aux ailes. Et oh, pas de problème, hein? On va mettre ça au point tous les trois cet après-midi, Bob. Mes amis, quelle aventure! On a bien cru rester enfin dans le désert. Oh, mais avec Hector Milton, jamais on abandonne! Bien parlé, Miss Flanagan. Et comme avec Hector Milton, jamais on ne se renfrogne. Pour fêter ce début très optimiste de tournage... La production vous invite tous ce soir à Las Vegas, au cabaret du Sphinx. Ouais, Philippe, ouais, Philippe, ouais, Philippe, ouais. Chouette, on va passer une belle soirée. Hein? Vous avez retenu le table, car ce soir, c'est la première de madame. Bien sûr, mon ami. J'ai retenu cet après-midi. Conduisez-nous à la table des productions Vertigo. Oh. Oh. Oh.
Mesdames, messieurs, j'ai l'immense joie, en tant que directeur du cabaret, de vous annoncer ce soir la rentrée à Las Vegas d'une grande vedette du cinéma, ou malheureusement un peu oubliée par Hollywood ces dernières années. J'ai nommé Lorna l'Enfer. Applaudissons-la très fort. Oh, c'est Rita Sazi. Sais-tu qui est la citoyenne emplumée avec la grosse baleine? Non, jamais vu. Mais soyons sur nos cartes. Tranquillitas, ami, rien ne peut arriver dans la paix d'un sphinx. Merci, merci, cher public aimé, oui, ce soir est un grand soir. D'abord, je retrouve mon auditoire de Las Vegas et aussi mon cher époux, le compagnon des bons et des mauvais jours, Ramon Radapoc, le grand acteur, que vous avez tous aimé dans César, quand moi-même je jouais Cléopâtre. Et même Ramon était bien. Oh, vous aussi, Lorna. Oui, moi aussi, surtout moi, merci, merci. Nous nous sommes jetés dans la gueule du loup. Comme les Horaces. Partons, Janus. Avant de commencer mon tour de chant, je vais aussi vous présenter, cher public, Aristote Ploutoukos, le propriétaire de ce cabaret. Et je vous annonce un scoop. Nous allons, Ramon Radapoc et moi-même, faire notre retour au cinéma grâce à la volonté d'Harry Ploutoukos dans un film encore secret dont je n'ai que le titre, Le Baron Noir. Et maintenant, voici ce que vous attendez tous, succès éternel, Printemps Romain, maestro Printemps Romain. Viens dans mon bain, redevenir star, c'est pas trop tard. L'hiver vient, donne-moi la main, retourne. C'est le moment, allez-y, provoquez-les. T'as pigé, Diabuc. Attention, Ratapoc, tu vas trop loin. Suffit, Donia Praxina. Je ne vous ai pas emmené pour me bassiner les oreilles. Écoutez Lorna et laissez-moi faire, j'ai mon plan. Oh, monsieur, redevenir star, c'est pas trop tard. Glace partout, ça me fait trop froid. Ah là là. Oh, tout glace est gelé. Je ne pourrai tourner demain. Oh, Gloria demande des doux glaces, mais qu'est-ce qu'il leur faut? Quel est ce scandale? Chassez ces gêneurs indignes d'être acteurs. Radieux, ouvre la redevenir star. Oui, c'est ça, c'est pas trop tard. Dehors les minus, pas de scandale, hors d'ici. Arrière, barbare, on ne touche pas aux citoyens stars. À moi, légionnaire, défendons la Patricia Vedette. Attention, les déblasins. Police, police, arrêtez ces énergumènes. Radio, ouvre les yeux, redevenir star. C'est pas trop tard. Oh, Printemps Romain. Arrêtez, arrêtez ces démons sur scène. Eh bien, moi qui croyais être tranquille en étant muté ici à Las Vegas, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est leur faute. C'est leur faute. Mais enfin, shérif, les triple Z n'ont fait que défendre l'honneur de nos vedettes attaquées par les gorilles. Navré, monsieur Vertigo, mais toutes les apparences et les témoignages sont contre vos cascadeurs et votre équipe. Pourquoi avez-vous fait du tapage pendant le tour de chant de Lorna l'Enfer? À cause des glaces sont jetées sur nos stars, shérif. Personne à part vous n'a rien vu, mademoiselle Zazi. Si, moi. Et moi, honorable centurion, la parole d'un proconsul. Je me tue à vous le dire, shérif. Avec mon équipe, nous avons été attaqués. Demain, le juge statuera sur votre sort, les triple Z. Carpe diem. Ah, carpe diem, mettre à profit le jour présent. Ah, mon frère, j'en regrette soudain notre douce Rome. Le magistère juge semble très compréhensif. Faut voir, il n'a pas l'air commode. Mais faisons confiance en ce noble procurateur. Il saura reconnaître l'innocence de la colombe contre le venin des scorpions.
Non, votre honneur, je n'ai pas trouvé trace de ces glaçons. Je ne m'explique pas d'ailleurs l'attitude de ces triple Z qui, au demeurant, sont de très loyaux cascadeurs et dans la police. Et merci, shérif. Vous avez fait votre devoir. En conséquence, pour le bris de matériel, scandale nocturne sans raison apparente, devant la plainte justifiée de monsieur Aristote Ploutoukos, célèbre propriétaire du Sphinx, le groupe des triple Z est condamné à 10 000 dollars d'amende et 30 jours de prison ferme à Las Vegas. Bah, à votre honneur, la production peut-elle payer une caution pour libérer les triple Z? Pas de caution, la prison, pour leur apprendre à vivre à ces trois vandales. À votre honneur, ce n'est pas tout. Mes associés et moi-même accusons de plus formellement les producteurs Vertigo de plagiat. Quoi? Plagiat? Vous voulez dire de vous avoir copié, imité? C'est cela même, votre honneur. Le film Le Baron Rouge n'est qu'une basse copie de notre admirable sujet Le Baron Noir. En conséquence... Silence! Laissez-moi parler! En conséquence, vous m'apporterez tous vos scénarios demain pour que nous les comparions attentivement. Non, votre honneur, ceci est une infamie! Suffit, votre film est arrêté jusqu'à nouvel ordre. Vous avez compris? Mais c'est une catastrophe. Devant cette accusation très grave, la loi est la même pour tout le monde. Mes amis, comment pouvons-nous aider John Vertigo et Marcus Tercelius? L'arrêt de notre film sera la ruine pour eux. Difficile, Zazie. Il faudrait prouver la félonie des trois traîtres. Comment sortir d'ici? Dans un film, ou du soleil sur grenade, le héros limait les barreaux de sa prison. Et dans le souterrain des innocents, le héros creusait un tunnel avec une cuillère. Parisis, si seulement nous avions Belzonius. Vous l'avez laissé dans Othello? Oh non! Notre bouclier est bien caché dans... C'est une catastrophe, mon pauvre ami. Ces misérables ratapocs ont dû voler notre scénario. Et nos braves de triple Z sont les victimes de leur vengeance. Oh là là, oh, seul un miracle pourrait sauver notre film. Attends-moi, je n'en ai pas pour longtemps. Bien, patronne. Le bouclier avec eux en prison. Ah, ils l'ont sûrement caché dans les environs. Je suis sûr que ce maudit bouclier est là, tapis dans l'ombre. Je le sens. N'ai-je point entendu un bruit du Janus? Un oiseau de nuit, Marcus. D'ailleurs, il fait un froid de canard. Avec Hector Milton, jamais on ne fait plus. Tout s'est bien passé, patronne. Crétin, tu n'as rien vu passer, là, c'est comme une fusée. Non, je dormais. Idiot, en route. Las Vegas, c'est vraiment la merveilleuse capitale de la détente, Marilyn. Vous avez le mot juste, Arnold, comme toujours. Vraiment, Arnold, vous conduisez très mal. Une autre fois, je viendrai avec Leonardo, Brad ou Sylvester. Ou les trois. Votre bouclier, il vous a retrouvé? Miraculum Belzonius.
Prodigium, tu es un véritable amicus. Mais comment va-t-il nous aider à partir d'ici? Inexorabilis, il n'y a qu'un moyen, Zazie. Et tu voulais y retourner, hein? Acta est fabula. Les mêmes prisonniers par le plafond. Injurium funestus, sans coup de fouet pour un ces intrus de la prison, Mamertine à Rome. Belzonius, tu t'es encore trompé de direction. Décidément, Rome, ça ne s'arrange pas. Plus vite, Ramon, il faut rendre le scénario au juge ce matin. Oh là là, si vous croyez que c'est facile de tout copier, alors je mets le baron noir à la place du baron rouge. Bon, dans le scénario Vertigo, les barons rouges montent dans son avion et livrent un combat aérien contre son adversaire. Bon, alors, bon, qu'est-ce que je mets? Les barons noirs montent dans son avion et livrent un combat... Ah, au secours, un tremblement de terre! Des aliens venus de l'espace! Mais non, ce sont ces damnés triple Z et leurs boucliers! Vélocitas! Agilitas! Oh, mais non. Je vous y prends, Fleur! À copier notre scénario? Vous ne pourrez rien prouver! J'appelle la police pour vous arrêter! Inutile, la police est là! Grâce à M. Milton et Miss Flanagan qui m'ont convaincu! Avec Hector Milton, jamais on t'a dit rien! Nous étions en observation dans la pièce à côté, et ce que nous avons vu, entendu et enregistré nous a suffisamment renseigné sur votre malhonnêteté. Le juge en sera avisé! Ah, Furiosus, Funestus. On ne sort pas. Je vous l'avais dit et redit, vous alliez trop loin, trop loin! Et voilà votre honneur la preuve du plagiat du film de Monsieur Vertigo par ces trois copieurs. Hein? Bon, ceci me semble clair. Le baron noir à la place du baron rouge. Mais shérif, il y a toujours la bagarre du sphinx. J'ai retrouvé deux témoins, votre honneur. L'équipe du film a été attaquée à coups de glaçon. Les triple Z n'ont fait que défendre loyalement leur vedette. Leur star, shérif, enfin leur star. C'est un devoir. Bah ouais, votre honneur. Les triple Z, c'est vraiment des chouettes copains. Puis franchement, alors là, les recoller au trou, ah là là, alors là, ce serait pas juste. Pas juste, pas juste, pas et nous alors? Tout ça, ce sont des mensonges. Insulte un magistrat, Ratapoc, l'enfer et plutôt cause, vous êtes condamné à... recopier intégralement 500 fois l'annuaire du Nevada, puisque vous aimez tellement copier, et à ne sortir que lorsque vous aurez fini. J'ai dit. Attention, nous ne pouvons tourner cette séquence indispensable au succès du film qu'une seule fois, et elle est extrêmement dangereuse. Il faut que ce soit parfait du premier coup. Les triple Z en place. Le baron 302 premier et dernier. Action! Ah!
Martinus. Magnificus, Amicus. Je me demande la tête que font Ploutoukos et les Ratapunk en ce moment. Plus vite, Ramon, plus vite. Je n'en peux plus. À quelle page en sommes-nous? 25 et il y en a 2732, je sais pas. Je n'en peux plus. Oh, j'en désespoir. Alors, Ratapunk, alors, voyons. Je vois, ah non, je ne vois plus rien. Si vous chantiez, Miss L'Enfer, pour donner du courage à ces messieurs. Ah, prends en main, viens dans mon pain. Ils n'ont pas peur. Au sol ou dans les airs, des chutes spectaculaires.